Eh bien, ça... Là, vous m'entendez. C'est vrai que si j'étais pas sur la bonne scène, si j'étais pas sur la bonne scène, ça ira mieux. Voilà. Là, on balance et là, on m'entend. Du coup, excusez-moi, j'avais fait mon petit intro, mais voilà. Là, on m'entend, on t'entend pas. Il y a plein de nouveaux gens, il y a plein de nouvelles personnes. Le son du jeu, vous devez l'entendre normalement. Le son du jeu, vous devez l'entendre. Si je dis pas de conneries, attendez, je vais regarder dans les settings OBS. Normalement, vous devez tout entendre. Non, vous devez tout entendre normalement. Le son du jeu, vous l'entendez aussi normalement. Faites-moi un retour. C'est parti. Allez, on avait un peu galéré hein, la semaine hier. Hier, on avait enchaîné deux défaites d'affilée, ce qui nous avait mis un petit peu dans la difficulté. Mais là, du coup, faut qu'on reprenne un petit peu du poil de la bête, si je puis dire, et remonter un peu au classement. Voilà, il y a que ça à faire, hein. Il y a que ça à faire. Ouais, la première, dommage. J'ai pas pu venir sur tes lives précédemment, mais j'étais obligé parce que la carré qualifiée, c'est une dinguerie. J'aime trop tes micro. Merci à toi, frérot, et bienvenue. Alors, du coup, pour la première fois sur les carrières avec Elche, hein. Franchement, c'est un régal. Hein. On se régale. C'est quoi, quatrième épisode? On a un mercato qui est original. On a été chercher les frères Zidane. On se fait kiffer hein, sur cette carrière. Oh, ça va passer. Oh, bien joué. Allez, Fernandez. Ils défendent à deux sur moi. Et du coup, ouais, franchement, on se régale. Avec Stucker, c'est la régalade. Ça va pas passer. C'est notre la 20e journée. On est à la mi-saison. On n'est pas champion d'automne. On a fini deuxième après 19 journées dans ce championnat. Et là, les gars, aujourd'hui, il va falloir être fort, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est mercato. Hein. Aujourd'hui, c'est mercato. Oh, bien joué. Allez, Garcé. Allez, vas-y, 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 accélère. Ah, il me revient dessus. Pas très rapide. Oh oui! On le prend complètement! On le prend complètement. Enfin, un petit peu de chat. En ce moment, je suis en KR avec Challenge Maillot avec Nottingham Forest. C'est un beau projet. Pas facile, mais c'est un beau projet.
J'ai vu les redifs sur YouTube et je m'en suis lancé avec Valladolid. Tu les as mis en première division ou pas, Valladolid? Vous croyez que c'est un autogol ou pas? Ou il donne à notre capitaine Nico Fernandez? Je suis pas sûr que... En tout cas, le contre-pied, il est parfait, je sais pas. Non, il est à Nico Fernandez. Moi, je trouve logique. C'est lui à l'origine de la frappe. C'est son deuxième but en 18e journée. En 18 journées, donc c'est bien, c'est bien. Ouais, là, cette fin de FIFA, je suis en mode Espagne, là. Là, je me régale. Régale en Espagne, là, ces temps. Entre la KR en live et le reste, je me régale. Salut, Alex. Bienvenue à toi. Oh, bah, on met le 12e. On est en train de caler l'affaire avec Ebobissé. C'est quoi ton club préféré? La Juve Freiburg. T'as les maillots qui sont là, frérot. D'ailleurs, hein, aujourd'hui, l'info qui traîne, c'est un départ de Kylian Sidilia, le Français qui est aux Jeux Olympiques avec l'équipe de Thierry Henry, là. Ce serait un départ de Kylian Sidilia pour Marseille. Rumeur du jour. Et qui s'annonce être assez chaude. Bon, on est bien. On met deux buts, là, en deux minutes, là, quasi. C'est parfait, là. On est tranquillement devant. Si tu termines champion, tu auras le budget, peut-être, d'une vingtaine de millions d'euros sur la saison 2. Bah, si c'est 20 millions d'euros, c'est quasiment 10 fois ce que j'avais, hein, en soi. Hein. Là, nous, déjà, on a fait un mercato très modeste. On a réussi à vendre des gars, mais mercato plus que modeste. C'est bien joué. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, Fernandez? Il est incroyable! Salut El Comandante, comment ça va, frérot? Oh, El Comandante, je sens que tu vas me parler de quelque chose, toi. Je sais que t'as quelque chose à me dire, El Comandante. Je sais que tu vas aborder un sujet qui nous concerne les deux. Je t'attends, El Comandante. Il est magnifique, hein, ce but de Nico, à part ça, là. Comme il est face au défenseur, ensuite, la finition, elle est exceptionnelle. Il est en feu, hein. T'es en feu? Ouais, c'est mes joueurs, ils sont en feu, là, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ah, on carie l'affaire rapidement là. Hein. Là où on galérait la semaine hier, hein, parce que je disais la semaine dernière, mais non, c'était hier. Là, on est en train de caler les affaires, mais carré, c'est carré. Hein. Oh là, dans le dos de la défense, ça fait tellement mal parce que. Ah, dommage. Dommage de perdre ce ballon. Oh, la perte de balle. Fernandez qui récupère. Attention, parce qu'il est en feu aujourd'hui, lui. Ouais. Il y a des rumeurs qui envoient James Rodriguez au Celta Vigo. Ah, c'est original. C'est une jolie destination. Moi, ça me plairait. Parce que j'ai pas envie que James, il est dans un gros club. Puis que dans ce gros club, après, il perd tout ce qu'il a, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Pour moi, s'il va dans un petit club, c'est carré, il va être la star de cette petite équipe, il finit sa carrière là-bas, et puis elle est belle. Mais par contre, s'il va dans un gros club, bah, t'as quand même plus de risque déjà de pas jouer, et limite de décevoir. Comment va ma fille? Elle va bien, elle est en vacances chez sa mère. Je la revois, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, ça fait trois semaines que je l'ai pas vue. Je la revois demain, les gars. Je la revois demain. Et après, normalement, je suis bientôt en vacances. On part à l'étranger. J'entends plus rien. Comment ça, t'entends plus rien? Comment ça, vous entendez plus rien? Bien sûr que vous entendez. Comment ça, vous entendez plus rien, les gars? Ça va et toi? Tu me connais, donc dis que je connais bien, donc dis donc. Que penses-tu de la rumeur de votre cher Kylian Sidi à l'OM? Est-ce que Désirbi est compatible? Arrivera-t-il à supporter la pression marseillaise? Alors, je vais répondre à ta question. Déjà. Alors, avant de dire ce que je pense, je vais répondre à la compatibilité de Kylian Sidi à Marseille. Si Kylian Sidi est recruté avec la volonté de remplacer un Jonathan Klaus et ce qu'il apporte, pour moi, c'est pas tout à fait le même profil. Donc, je émets des petits doutes. Mais, et là il y a un mais,
Kylian Tillier, là où il peut être ultra intéressant pour Marseille, c'est que Freiburg joue très souvent à 3 derrière. Marseille joue à 3 derrière, a joué à 3 derrière. Salut BF, comment tu vas ? Et du coup, pour moi, si tu recrutes Kylian Sidilia, t'as un joueur qui a de la polyvalence, capable de jouer sur le côté, parce que c'est pas parce que je le vois pas remplacer un Jonathan Clauss dans l'apport offensif qu'il a donné à Marseille, qui ne peut pas remplacer, qui ne peut pas jouer à ce poste-là. Il peut peut-être se révéler à ce poste-là. Si De Zerbi a demandé un Kylian Sidilia, c'est que De Zerbi est convaincu que ce profil-là peut apporter à son Olympique de Marseille et à ce qu'il veut en faire. Tout en sachant que je ne sais même pas qu'est-ce qui va apporter à... Ça va bien, merci. Qu'est-ce qui va apporter d'un point de vue composition à Marseille ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va être sur un 4-5-1 ? Est-ce qu'on sera sur un 3-4-3 ? Ça, c'est là où je m'interroge un tout petit peu. Mais revenons à Kylian Sidilia. Il a, pour moi, pas le profil autant offensif qu'un Jonathan Clauss. Parce que je vois, pour moi, le remplaçant de Jonathan Clauss avec le recrutement de Kylian Sidilia. Mais il a plus de polyvalence, capable de jouer dans l'axe. Il est, je le rappelle, de formation défenseur central. À Metz, il a été défenseur central. Et même chez nous, quand il arrivait en deuxième équipe, il était défenseur central. Donc voilà. D'un point de vue, maintenant, compatibilité à l'OM, ça peut le faire. Mais je demande à voir. Il sera très certainement mis dans une position qui ne sera pas la même, avec pas les mêmes attentes qu'à Freiburg. Il est clair que quand tu débarques à Marseille, il y a plus de pression qu'à Freiburg. Saura-t-il la gérer ? J'ai envie de te dire oui, mais j'espère aussi, encore une fois, que le peuple marseillais sera tolérant avec ce jeune qui n'a que 22 ans, je le rappelle. Et puis, qu'est-ce que je pense de ce transfert ? Je sais que Kylian Sidilia partira un jour, mais c'est mon point de vue. Pour moi, c'est trop tôt. Une saison supplémentaire en Bundesliga ne lui aurait pas fait de mal. C'est mon point de vue. Après, nous, si je parle d'un point de vue de Freiburg, si on a vendu Hugo Siquet cette semaine, Freiburg n'a pas vendu Hugo Siquet au club de Bruges à perte, ça c'est sûr et certain. On peut le dire ce qu'on veut, mais la pépite belge n'a jamais su s'imposer chez nous. A joué que 3 matchs de Bundesliga, donc ça n'a pas été une franche réussite, Hugo Siquet. Je pense qu'on est assez intelligent pour ne pas vendre le joueur à perte. Ça, c'est une première chose. Tout en sachant qu'il était prêté 2 ans au club de Bruges et que pendant 2 ans, Bruges a pris son salaire, en tout cas une partie de son salaire, à responsabilité. Donc, on a quand même bien amorti les frais. Si tu nous mets un triplé... Oh là là, il aurait mis triplé, notre capitaine. Dommage. Donc, pour moi... Tu vends Siquet, tu serais sur le point de vendre Sidilia, t'as déjà perdu Keitel librement à Stuttgart, t'as encore une fois, wow, il y a des pavés qui sortent là, les gars, je peux pas tout lire, désolé. Encore une fois, t'as refait 2 recrutements pour 10 millions. On parle de 15 millions, hein, moi j'ai vu, hein, pour Kylian Sidilia, hein. 15 millions. C'est énorme. Ce serait un énorme coup pour Freiburg. Ce ne serait pas le plus gros de son histoire, mais je pense qu'il se classerait dans les 5 plus gros coups de l'histoire du club, ce qui serait génial, du coup, d'un point de vue financier. Par contre, moi, pour ma part, je ne vois pas Freiburg ne pas réagir dans la foulée. Donc, pour moi, si Freiburg vend, c'est qu'ils sont déjà en statut avancé pour le remplacer, parce que tu ne peux pas partir la saison prochaine sans remplacer Kylian Sidilia. C'est impossible. Donc, voilà. C'est mon point de vue sur la situation actuelle. Et voilà. Où est-ce que je vois Dani Olmo ? Pour le moment, je ne peux pas trop me prononcer. C'est difficile. Au Barça, je le verrai bien au Barça. Mais Barça n'a pas de thunes. Donc voilà. Je suis supporter de l'OM, mais j'admets que changer d'effectif complet à chaque mercato d'été, c'est impossible de construire un projet à long terme. Faut garder des mecs qui s'imposent. Et les supporters ne sont pas patients avec les joueurs. Si un attaquant ne met pas 5 buts lors des 5 premiers matchs, il va être dénigré, ce qui mettra une pression supplémentaire aux joueurs. Je suis complètement d'accord avec toi. Rames, c'est ce que je disais hier, c'est complètement correct ce que tu dis. Pourquoi tu es fan de Freiburg ? Parce que bah, je suis fan de Freiburg, c'est comme ça. Je suis tombé, j'ai été voir un match là-bas et j'ai accroché. J'ai fait une carrière avec le PFC, j'ai acheté Weissau, mais il veut déjà partir comme Ginter dans ta carrière. Ouais. C'est clair que Weissau, c'est un super joueur.
Alors, on a le commentaire qui est d'accord. Complètement juste, hein, tes propos, à part ça. Complètement juste, tes propos sur la situation de cette Olympique de Marseille, de l'attente des supporters marseillais et du peu de temps qu'ils laissent. Mais ce peu de temps, ils le laissent autant aux joueurs qu'au coach, hein. Donc c'est ça qui est fou. Est-ce qu'on pourrait avoir une première défaite de Tenerife? Parce qu'on les affronte bientôt. Oh, j'ai vraiment très peu de temps de repos là. Tenerife, non, ça perd pas. Tenerife, ça perd pas. Par contre, ça a fait match nul, je crois. Donc on revient à 5 points. Bon, voyons le côté positif de la chose. On a repris des points. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, Mendes qui veut jouer. On va remettre Garcet titulaire. Hein. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Alors, vous savez ce que je réfléchissais un tout petit peu, si je regarde le classement. Tenerife, sincèrement, ils sont en train de nous sublimer, si je puis dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Tenerife, ils sont tellement bons que nous, on est le principal concurrent à Tenerife. Parce que quand tu vois qu'Almeria a déjà 11 points de retard, c'est énorme. Et nous, on est en train de se positionner comme étant le principal challenger et on ne va pas les lâcher. Je vous le dis déjà, on ne va pas les lâcher. Mais le fait de vouloir les suivre est en train de nous faire passer une saison exceptionnelle parce que franchement, on a quand même 6 points d'avance sur le 3e. Et pour le moment, on peut parler promotion. Donc c'est génial. Salut Léo, comment ça va? Klaus, il a été vendu pour peu, non? Je ne sais pas pour combien il a été vendu Jonathan Klaus. Mais je sais pas pourquoi il a été vendu, mais après, c'est un joli transfert hein, pour eux. Hein. Pour Nice, c'est quand même bien. Hein. Jonathan Klaus, c'est pas mal. Hein. Ben, quand je vois les matchs amicaux, je constate que le latéral droit, quand c'est Bamo Maïté qui est mis à ce poste, Bamo devient défenseur central quand on n'a pas le ballon. Mais vous jouez à combien? 4,5 millions vendus pour 5,5 millions avec bonus. Ok, donc on est quand même sur, on va pas se le cacher, sur un petit transfert. Après, on parle d'un gars, il a quel âge? 31, 32. Donc non, il n'est pas non plus éternel, hein, le garçon. Hein. Faut juste pas déconner. Faut juste pas déconner en soi. Hein. Donc, mais après, c'était... Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien le profil, j'aime bien le joueur. Mais Siké vendu 3 millions au club de Bruges. Non. T'es pas bien informé, frérot. Je t'assure que non. Moi, j'ai vu des chiffres passer, c'était pas 3 millions. 3 millions, c'est maintenant. C'est ce que le club a touché maintenant en caisse. 3 millions sont tombés. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Mais le club, il a touché plus. Il n'a pas de polyvalence, là. Je suis un petit peu obligé de partir avec un décès en mode... je suis un peu embêté. Sinon, je vais faire ça. Et puis, fait basse. Puis, on va comme ça. Joue à 4 derrière des Zerbi. Mais du coup, ouais, après, en soi, si tu réfléchis dans une logique, si tu as 4 défenseurs, qu'il y en a un qui décide de push, les 3 autres, ça se décale, ça passe à 3 derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Il doit y avoir une cohérence dans la rotation, dans le coulissage d'une défense. Donc, c'est pas déconnant de le voir à des moments limite défenseur central. Là où ça pourrait être perturbant, c'est de voir à la construction un gars comme lui passer en défenseur central. Voilà. Il n'est pas éternel, mais il n'était pas mauvais. Je suis fan du PSG pourtant, mais Klose, c'était autre chose. Ouais, Klose, c'est un... Klose, moi, j'ai toujours apprécié. Déjà, pour moi... Après, voilà, je trouve un peu dommage, tu vois. Pour moi, le truc où il merde, c'est qu'il était incroyable à Lens. Et pour moi, à Lens... Quand il part de Lens, il peut partir de Lens, mais part à l'étranger. Pour moi, il a changé de Lens qui était au top à Marseille, qui est de toute façon un club qu'on considère au top. Donc franchement, pas fou. Après, à Marseille, le gars, il a fait quoi? Il a fait 2 saisons, il a calé je sais pas combien de passes décisives. Franchement, le bilan, il est quand même positif. Hein. Le bilan, il est positif de Jonathan Klaus à Marseille, hein. On peut pas dire l'inverse. Hein. Donc, on peut que lui souhaiter bon vent. Franchement, hein, faut être sincère. On peut lui souhaiter bon vent, plein de réussite. Moi, je regrette juste que lui qui a percé sur le tard, parce que moi, je me rappelle de lui à l'Armina Bielefeld, les gars, c'était pas la folie. Hein. Le parcours de Jonathan Klaus, il est atypique. Hein. Mais l'Armina Bielefeld, c'est pas la folie.
Le gars, il se retrouve à Lens, il perd sa Lens sur le tard. Tant mieux pour lui, il méritait, hein, le travail paye. Par contre, dans la foulée, il faut juste avoir un peu de lucidité que moi, personnellement, j'aurais trop kiffé le voir aller à... Oh, l'amorti, il est raté. J'aurais trop kiffé le voir aller dans un club étranger. Voilà. Vous allez me dire que l'Arminia Bielefeld, c'est un club étranger. Je veux dire que oui, mais l'Arminia Bielefeld, c'était... Voilà, c'était... J'aurais voulu le revoir parce que c'était pas le même joueur entre l'Arminia Bielefeld et Lens. C'était deux mondes d'écart, hein. C'était hardcore. Et du coup, là, il était au top de sa forme, il était en confiance, il avait tout qui était aligné pour réussir à, en tout cas, faire une belle deuxième partie de carrière. Je vais pas dire fin de carrière parce qu'on va pas lui manquer de respect, il avait encore du beau temps devant lui. Et du coup, non, le gars, il va... J'aurais apprécié à ce moment-là le voir à nouveau à l'étranger. Voilà. Ça pourrait être l'Allemagne, ça pourrait être l'Espagne. Je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il avait une vraie ADN compatible à l'Espagne. Tu vois, pour moi. Je l'aurais pas trop vu en Italie, parce que les défenseurs, c'est vraiment de bons défenseurs en Italie. Ça cadre pas. Donc voilà, il a été bon à l'OM, quelques buts et des bons caviars sur des centres. Donc oui, on lui souhaite que du bon pour la suite. Ouais, je pense que c'est vraiment un gars intéressant. 4-2-3-1 avec le ballon et sans le ballon, on a été coulisse centrale, Merlin, milieu def, Kondogbia, Unai monte d'un cran. Ok, c'est original. Après, vous gardez Kondogbia, quoi. Après, oui, je sais que vous l'avez recruté dernièrement, qu'il y a un salaire, qu'il y a un contrat, que tu peux pas tout péter comme ça, mais j'en ferai Kondogbia. J'ai trouvé, les quelques fois que j'ai vu l'OM, j'ai vraiment pas trouvé fou. Mais du coup, Kylian Sidilia, vous qui êtes supporter marseillais, les gars, vous le verriez dans quel registre ? Défense à droite. Kondogbia gardé parce que pas d'offre. Ouais, c'est ce que je pensais. Oh là 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 là. Oh, mais c'est pas possible, les gars, on doit marquer. Je suis pas sur son bon pied. Ok, ouais, je comprends. Après, c'est clair, tu vas pas vendre pour vendre. Salut à toi, Adam. Bienvenue. First time sur Twitch, sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Bienvenue à toi, mec. Ah non, non, non. Close à l'OM, c'est 8 ans de 5 matchs. Et 7 buts. Ouais, mais alors, en soi, c'est pas mauvais, hein. Pour un joueur qui est défensif, c'est pas mal. Par contre, 7 buts, d'accord, mais c'est combien de passes D ? Si vous arrivez à me sortir la stat, ça m'intéresse. Ouais, bien joué. Allez, remonte. Y'a pas hors-jeu. Oh purée, mais c'est dingue. Alors Dédé, on a Murillo et Lirola. Je sais pas si Deserbi arrivera à le relancer. Après franchement, Est-ce que tu vas chercher un joueur où tu poses 15 millions pour pas... Pour moi, hein, si tu as confiance en tes éléments, tu vas pas poser 15 millions sur un joueur. Voilà. Pour moi, c'est que s'il a ces deux éléments-là, il leur fait pas suffisamment confiance pour les voir titulaires à la place de Sidilia. Voilà. Sidilia, faut juste vous dire qu'on a un bonhomme qui fait de belles choses à Freiburg. Qui a un parcours de carrière, il prend un risque en passant de Metz à Freiburg. Mais les gars, après, en soi, c'est un jeune, c'est un gars travailleur qui accepte de laisser le temps à son développement. La preuve, il a été tapé des saisons en deuxième division allemande. Après, voilà, il fait une promotion en troisième division allemande. Troisième, pas deuxième. Et quand il monte, après, il est très très bon. 23 passes décisives en 8 ans de 5 matchs. Franchement, les gars, c'est pas dégueu. Hein. Franchement, c'est pas dégueu. Si tu 8 ans de 5 matchs, je pense que 8 ans de 5 matchs, il les a fait sur quoi sur, il a fait combien de saisons à l'OM? 2 ou 3? Donc si tu réfléchis... Ça fait une dizaine de passes de but à la saison. Hein. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Après, on a toujours su qu'il avait vraiment une belle patte. Capable de donner de bons ballons et tout. Ça, on le savait. La preuve, elle est là. Hein. Il en est complètement capable.
1-0. 12 passes D à la saison. C'est solide, hein. Franchement, c'est solide, hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, les gars, hein, mais 12 passes D, c'est solide, hein. 12 passes D en une trentaine de matchs, franchement, c'est solide, hein. Bien joué. Non. Oh là là, si je perds ce match, les gars, ça serait la cata. Parce qu'en plus, dans deux journées... Enfin, après, on a la Coupe d'Espagne. On commence en Coupe d'Espagne face à Andorre. Et après, les gars, t'enchaînes. Hein. T'enchaînes Tenerife. Hein. Et autant dire que tu perds là. Et que si tu perds Tenerife, bah, je pense qu'on peut dire au revoir au titre. Les gardiens, ils sont trop chauds. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Les gardiens sont trop chauds, les gars. Allez. Goal. Oh putain, le moment. Tu vois le moment de flottement. Le moment de flottement où tu sais pas si elle rentre et t'es là. Ouh. Un peu de chat. Je pense que c'est un autogoal. Je pense qu'il va mettre autogoal. On égalise. On peut encore gagner ce match. On le revoit. Je pense que c'est un autogoal. Je sais pas s'il est cadré, mais je pense qu'il est cadré. Oui, il est cadré. Non, il est cadré. Pour moi, c'est but de notre numéro 10. Le jeu met un... Ouais, but de... Voilà, but de Nieto. Donc, c'est bel et bien but validé par l'attaquant. Donc, c'est bien. La balle, elle est déviée, certes, mais le job est fait par l'attaquant. La balle était cadrée. Voilà, ça fait plaisir. C'est comme le but de Nico Fernandez avant. C'est bien. Ok. Ok, premier but pour lui. Allez, on va essayer de repartir de l'avant maintenant. Ah, oh, ça passe pas. Ah, il va me siffler quoi? Il me siffle quoi? Qu'est-ce que tu me siffles? Couper constamment le jeu là, ok. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Il reste 20 minutes. Ok, ok, on garde la balle. Ok. Allez. Ah ! Ce qui est reproché à Klose, c'est sa mentalité. C'est ça qui est surprenant parce que quand tu le vois aller à Lens, tu le voyais comme étant un gars solide, mentalement stable, capable de. Et là, je fais que d'entendre que mentalité de merde, pas travailleur à l'entraînement, des trucs comme ça en fait. Après, peut-être que les gars, il a pris le melon. Hein. Bien joué, mon gars! Ah, il me met 2 buts, le petit, là. 2 buts, Manu Nieto. 2 petits buts, là. Je suis suisse, frérot. Je suis suisse. C'est bien, la finition, elle est belle. Attends, on retourne quand même bien la situation. Hein. Bon petit pointu des familles sous la barre. Ça fait plaisir. Allez. Fouh. On s'est quand même fait un peu peur. Oh, super. Ouais, ouais, encore, 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 encore. Chasse, 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 chasse. Oh non. Les gars, je viens de penser à un truc, je suis toujours en ultra off. Allez, on va ressortir. Allez, on verticalise le jeu là. On peut repartir une dernière fois. Dans l'axe, Nieto. Double buteur aujourd'hui, lui. Oh là là. Oh là là. Oh. Oui, c'est bon. Salut Rémi, comment ça va? Eh, on s'en sort bien dans ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais...
ça s'avérait compliqué. C'est, je crois, un des premiers matchs où vraiment on est mené au score vers l'heure de jeu et on arrive complètement à retourner la situation. Ça fait plaisir, c'est bien, c'est bien. Bel état d'esprit, bonne mentalité. Ça, c'est des valeurs qui sont importantes, hein. Ne jamais rien lâcher, même quand c'est, ça semble être compliqué. On fait le taf, c'est bien. Moi, je suis fan du PSG et du PFC. Putain, c'est bizarre, ça. PSG et PFC, ok. Ok, ok. Il y a une mentalité de gagnant. On peut pas y reprocher. C'était l'un des joueurs qui se donnait toujours, mais personne ne l'accompagnait, donc il a dû en avoir marre. C'est possible, hein. C'est possible. Un groupe doit tirer à la même corde, hein. Si t'as la sensation que certains ne tirent pas à la corde, ou moins que d'autres, je disais encore hier j'avais entraînement avec mes gars, je leur parlais de l'importance de tirer tous à la même corde, sans je me prends encore un but. Salut Marius. Je disais, on faisait un exercice, puisqu'on travaille beaucoup sur le pressing en ce moment, on travaillait sur le principe de, à la perte du ballon, d'avoir cette fougue, cette arme, d'aller gratter, quoi. Sur l'exercice qui suivait, j'en ai un qui fait pas le taf. Tu sens que t'en as un qui fait pas le taf et que ça impacte les trois autres. Et je leur disais, voilà, les gars, c'est une pyramide. Si la tête ne fait pas le taf, ça va se répercuter sur tous les échelons du bas. Et là, c'est la même chose. S'il y a un qui fait pas le pressing, si mon attaquant fait pas le pressing, ensuite c'est mon milieu qui va devoir cravacher, qui va devoir déjà faire son travail de base, mais qui va devoir rattraper le travail de l'attaquant qui n'a pas été fait. Et ça, ça se répercute. Et quand t'as une erreur comme ça, et t'as un joueur qui ne se donne pas, puis que son travail n'est pas fait, et que ça se répercute à chaque fois sur les éléments du dessous, ça engendre de la fatigue, etc. Donc voilà. Tu aimes que le foot regarder à la télé, comment ça? Le mercato va commencer, Léo, là, tout bientôt. Là, on vient de sortir d'un match, on peut le dire, périlleux. Mais on gagne et on croise les doigts pour une première défaite de Tenerife, qui est, clairement, hein, qu'on se le dise, notre rival cette année. Est-ce qu'on a le résultat de Tenerife? Un match de retard. Exactement. Il faut savoir quand le faire, comment le faire. Manu Nieto, qu'est-ce que tu me dis, Manu Nieto? Ouais, t'étais plutôt en forme, frérot, c'est vrai, ça faut reconnaître. Tu m'as mis 2 buts, là. Ils ont joué leur match en retard. Oh ! Ils ne sont pas invincibles ! Ah ! Ils ne sont pas invincibles ! Bon ! Ils ont perdu un match. Ils ont perdu contre qui ? Tenerife a perdu contre qui? Tenerife s'est fait battre, mais par qui? Tenerife a perdu contre... Il est où leur résultat, là? Là, ils gagnent 2-0. Tenerife a perdu... Ça doit être là... Contre Cadiz, ils les ont tapés 3-0. Oh, ça fait mal, non? 3-0, ça fait mal, hein? Là, tu retombes fort sur terre, hein? Par contre, attention, parce que du coup, ils retombent sur terre une journée avant de nous affronter. Parce que là, les gars, regardez, hein, calendrier, la réalité, elle est là, hein? Là, il y a 2 semaines. Là, on sort là. On sort là de ce match. Pour moi, on a 1, 2, 3 semaines de mercato où on doit travailler. Donc là, après, on attaque Mercato, les gars. Et là, je pense qu'on peut passer du temps. Parce que, à mon avis, il y a des joueurs prêtés qui vont être rappelés. Et nous, va falloir penser à gérer le Mercato en allant chercher des joueurs. Peut-être même des prêts. Parce qu'on n'aura pas la capacité financière de payer les salaires. L'équipe, elle est de manière générale bien. Après, elle a beaucoup de repos. Donc, on va pas changer les bases. Hein. J'ai quand même envie de prendre le petit Nieto. Hein. Nieto, il est là. Ouais. On va aller comme ça avec Nieto. Je mets pas Nieto titulaire parce qu'il est pas à fond, mais on va comme ça. C'est parti, les gars. Prendre 3 points, ultra important. T'as vu micro, Paulo Lopez ne va finalement pas à Côme. J'ai vu, ouais. Qu'est-ce que j'aime regarder comme sport à part le foot? Le hockey, le tennis, le ski. Allez, let's go.
Coupe d'Espagne, hein, du coup. Hein. C'est vrai qu'on ne s'est pas remis dans le contexte. Mais Coupe d'Espagne, donc, possibilité de faire une petite épopée. Moi, j'aimerais bien voir mon équipe face à des premières divisions espagnoles. Mais pour ce faire, il faut avancer dans la E-Tour. Pour le moment, les premières divisions espagnoles ne sont pas encore en lice. Là, Andorre, c'est pas, je pense pas que c'est l'équipe la plus compliquée à jouer, mais... Monza sur Paume. Monza qui... Monza, ils ont les moyens en plus. Hein. Ils ont les moyens, ils ont récupéré de l'argent. C'est vrai qu'ils ont plus de gardiens, hein, entre nous soit dit. Hein. Ils ont... Di Gregorio est parti à la Juve. Ah, le centre est pas bon. Dommage. À la perte de balle là. Oh là là, il se bat bien mon petit mon attaquant là, c'est bien, c'est bien. Ah, ça va pas passer pour. Oh lui, ça passe. Oh, il la touche. Il arrive pas à lui passer devant. Et ça dégage. Faut toucher. Ok, ça défend pas trop mal hein, pour le moment, eux. Le centre. Et oh là là, il avait tout le temps de bien la reprendre, c'est dommage. De louper ça, c'est dommage. Allez. Après, en soi, Marseille, on peut pas leur reprocher qu'ils donnent pas un petit peu d'intérêt au mercato chaque année. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Chaque année, Marseille, c'est une carrière manager. Hein. Allez, bien joué. Ah, dommage, ça dégage. Faut toucher. Dommage. Mais la priorité de Monza, c'est Marco Silvestri. Ouais. Après, Paolo Lopez, Marseille, on demande combien? C'est ça la question. Parce que Paolo Lopez, ok, c'est bien, mais à quel prix, hein? Après, voilà, on parle d'un garçon qui a 27 ans, qui a quand même un certain bagage à 1-0. Allez, clair, hein, quand on défend pas bien, on est mené. La question, c'est voir Marseille combien demande pour Paolo Lopez. C'est juste ça. C'est-à-dire si tu débarques avec la volonté d'acheter un joueur et que tu demandes deux fois son prix, je peux comprendre. Moi, Paolo Lopez, sincèrement, j'ai un peu l'impression qu'il a une sale réputation à Marseille. Moi, je vois en lui un très très bon gardien. Hein. 6 millions, franchement, c'est pas cher. Hein. Vous trouvez cher 6 millions, les gars? Moi, je trouve très correct. Hein. Ouais, c'est clair, tu lui laisses avancer. Moi, je te fais pas de cadeau, frérot. Hein. Bien joué, mon gars. Allez, égalisation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La belle égalisation. Il a les bras qui partent en couille, là. Oh, tu vas te faire mal. Arrête. Tu vas te faire mal. On a déjà perdu un attaquant. On va pas se cacher que l'abonné qui m'avait proposé Ebo Bissé, c'est quand même... il faut le dire, un choix... qui pourrait surprendre, mais c'est une réussite, hein, parce qu'ils mettent beaucoup, hein, le petit Ebo Bissé. Hein. Franchement, on va pas se plaindre. Hein. Oh là là, la perte de balle. Garde la balle, Morientes. Nico. Zidane. Il n'y a pas d'enjeu. Le débordement, le centre. Il y a une main, monsieur l'arbitre. J'ai pas activé les mains dans la surface, sinon il y aurait trop de pénaux, mais là, il y en avait une belle, j'ai même pas besoin d'aller voir la barre. Allez. Après, en soi, les gars, on peut parler d'un autre club, moi, qui m'intéresse un petit peu et que je trouve qu'on en entend pas trop. Et c'est là où je me dis qu'ils vont bientôt nous faire des dingueries parce qu'ils vont être en mode on va aller chercher les joueurs en fin de mercato ou les opportunités. C'est le Paris Saint-Germain, les gars. Et qu'est-ce qui se passe à Paris? On n'entend plus rien à Paris. Après, tu vas me dire, est-ce qu'ils ont réellement besoin de recruter? Il y a toujours des besoins. Mais il est vrai que là, cet été, j'ai un peu l'impression
j'ai un peu l'impression que c'est le calme plat. Est-ce qu'on doit se remettre du départ de Kiki de Bondy? Je sais pas. J'ai quand même un petit peu la sensation que c'est un petit peu le calme plat. Bien joué. Oh, Zidane. Allez, Donald. Hey, il circule bien le ballon, ces petits copains là. Allez, va sur le côté là. Salinas. Allez, mon petit. Ouais, ça passe. Le centre. Ah, c'est là l'arraché. Le centre à nouveau. Dommage. Un bon... Oh là là, il est trop. Il y avait moyen en plus de trouver quelqu'un. L'OM m'intéressait un ailier, un milieu et un DG. C'est ce que cherche Paris. Mais c'est quand même surprenant qu'un club comme le Paris Saint-Germain, avec les moyens et tout, il s'active pas plus, quoi. J'ai vu, alors Neves, j'ai vu que c'était un peu le dossier le plus chaud. Mais Neves, je crois qu'il y a une option, il y a une clause libératoire qui s'élève à genre 50 millions. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de demandes sur lui que je crois que les offres... Oh putain, faut que je marque ça. Que les offres dépassent la clause. Je crois qu'on parle quasiment de prix dans les 60, voire même 70. Ça fait que de monter. Et encore une fois, on peut dire ce qu'on veut du football portugais. Et quand il s'agit de vendre leur pépite, là, t'as des clients. Hein. Porto, Benfica, le Sporting, c'est une dinguerie. Hein. Eux, ils savent s'y faire. Oh. Il est fatigué, mon petit. On va faire rentrer Nieto, je crois. Oh là là, ils sont fatigués devant. Ils sont fatigués devant Mugro. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, Kiki, et toi? Merci d'être à nouveau là. Ah, vous êtes fidèles, les gars. Allez. Zidane. Oh là là, c'est dingue. Paris d'accord avec Benfica pour Neves, apparemment, ouais. Allez, je vais faire les changements parce que moi j'ai l'impression que j'ai mes gars, ils sont. Mais raclette, hein. On va faire rentrer Febas, on va faire rentrer Mendes et je vais surtout faire rentrer Nieto pour Ebobissé qui a beaucoup donné aujourd'hui. Puigmal qui va rentrer pour Morientes. Après Hugo Lloris et Olivier Giroud, le Los Angeles veut attirer Antoine Griezmann dès cet été ou en 2025. Le club de MLS aurait proposé aux Français le deuxième plus gros salaire de MLS derrière Messi. Ok. Après, ouais. Après, juste pour... Et à part ça, tu fais une carrière manager avec eux. Juste, tu kiffes. Giroud, Griezmann, Lloris. C'est quand même incroyable. Franchement, c'est un petit peu... j'ai pas envie de dire que c'est le rêve de tout footballeur, mais dans ta carrière, tu croises des gens, tu rencontres des gens en équipe nationale, tu vis des émotions avec des gens. Eux trois, parmi tant d'autres, hein, puisqu'ils étaient un groupe bien plus nombreux, mais eux trois, ils ont quand même des souvenirs de bâtards ensemble, tu vois. La défaite en finale de l'Euro 2016, tu dois quand même faire oublier cette expérience qui est douloureuse, tu vois ce que je veux dire. Après, tu gagnes la Coupe du Monde, incroyable. Tu gagnes la Coupe du Monde, je sais qu'Olivier Giroud et Lloris étaient très proches. Donc, c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire le rêve pour finir ta carrière, mais quand tu vraiment... Même toi, à ton niveau, au début, tu joues peu importe le niveau que tu as, au début, tu joues pour jouer le plus haut possible. Puis au bout d'un moment, tu te lasses ou tu as envie de jouer avec tes potes, tu vois. Et eux, c'est ce qui se passe. Ils ont investi tant de temps à donner tout ce qu'ils ont dans le football. Et là, enfin, ils peuvent jouer avec leurs potes. Oh, je rate un truc. Salut à toi, Natrix. Ouais, on stream sur YouTube, sur Twitch, ouais. Clause libératoire pour Nives à 110 millions.
mais on en veut 70, pas plus. Ok. Je l'ai déjà fait cette carrière avec. Après Giroud, c'était vraiment. Du coup, j'ai acheté Griezmann, je l'avais prédit. Ta caméra pas ouf. Comment ça, ma caméra pas ouf? Comment ça, ma caméra pas ouf? C'est la même que j'utilise tout le temps, les gars. J'ai juste réduite. Hein. Bon. On va en prolongation. Heureusement qu'on a du temps après. Hein. Allez. On dirait que j'ai grossi. Mec, reste tranquille. Hein. Tu vois que c'est qui va grossir. La blague. J'ai absolument pas grossi, frère. Ah, Vincente, ouais, bah je sais. Ah, je profite de mes soirées, le lac et tout, là. Puisque j'ai que ça à faire. On va faire des changements. Allez, on va faire des changements. Ne t'inquiète pas, frérot, il faut plus pour me vexer. J'ai pas beaucoup de solutions. Entrée d'un défenseur central, ça c'est... Ouais, j'ai déjà fait mes 5, c'est ce qui me semblait. On va devoir aller comme ça, hein. Franchement, je pensais pas qu'on allait autant galérer contre Andorre. Oh oui. Vas-y, capitaine. Vas-y, mon capitaine. Oh. Allez, je sais que t'es fatigué, mais donne tout ce que t'as. Oh, pénalty. Pénalty ou pas? Pénalty ou pas? C'est rouge, c'est sûr? Pénalty? Non, il n'y a pas rouge. Non, alors du coup, il n'y a pas rouge. Il n'y a pas pénalty. Je pense que c'est juste devant la surface. On est en contact avec SD. On est en contact. Je sais pas s'il y a péno. Oh, ça se joue à rien. Je pense, dans ma logique, il n'y a pas péno. Parce qu'il ne donnerait pas rouge. S'il donne double sanction, c'est abusé. Voilà. Merci, je connais le foot. Ok, Nico. T'es un bon tireur de coup franc, Nico. C'est pas la folie, hein. Non. Dépêche-toi. Bon, faut se dépêcher parce qu'après le jeu te fait la dinguerie. Allez, mon gars. Ça passe pas. Ça, allez, on va push. Bien sûr qu'on va push. Qu'est-ce qu'il siffle maintenant? En vrai, dur à juger, ouais. Ah, il me siffle quoi, là? Une faute de main, un hors-jeu, hein, quoi? Oh, ma, la chatte! La chatte du type! On vend Ugarte. Ugarte, moi, je comprends pas. Hein. Moi, je le trouve trop fort. On vend Ugarte, c'est ouf. Putain, les gars, ça va se jouer à la raclette, hein. Ça va se jouer à la raclette, hein. Attends, j'aurais pas. En plus, Andorre, on les a joués en championnat, on les a tapés, si je dis pas de conneries. Ah, Garcé, il est mort. Garcé, il est mort. Ah ouais. On n'arrive même pas à repartir. Salinas, il est raide aussi. Heureusement qu'il y a 2 semaines de repos. Hein, parce que... Donald, le boss. Mendes. La solution, elle peut venir d'un Nieto. Elle peut venir d'un Febas. Ils sont assez frais. Puigmal aussi. Mais eux, tu vois, derrière eux, hein, ils sont relativement frais. Hein. Leur gestion, elle est bien meilleure que la mienne. Ça passe pas pour Nico. Oh là là, on va se taper une séance de tir au but, les gars, ou quoi? Ça pue les tirs au but. Febas qui essaie de gratter ce ballon.
Ils s'en sortent bien. Ouais. Si t'as envie de savoir si un arbitre amateur de football, j'arbitrerai la National 3 et la N2 en même mois, j'arriverai pas à dire s'il y a péno. Ouais, bon, bah après, ça va tellement vite. Il est pas assez technique pour Luis Enrique. Ok. Bon, les gars, le topo, il est simple. C'est au tir au but que ça doit passer. Allez, Zidane. Allez, le Z. On est... Ah, on va tirer avec chaque fois la petite pression de se dire, derrière, si on loupe, il y a deux buts d'écart. Bien joué. Allez, viens à droite. Allez, Garcé. Le poteau. Avantage. Oh, c'est difficile. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Sérieux. Allez, Zidane. Ok, la première est sauvée. La première est sauvée. Oh, putain. Faut pas stopper. Fais basse. Allez, Zidane, encore une, s'il te plaît. Ah, oh, ça fait mal au cul, quand même. Premier tour. Bon, bah, voilà, premier tour. On sort au tir au but face à Andorre. On tire deux fois sur les montants sur la séance de tir au but. Voilà. On n'a pas été bon. Bravo à Andorre. Et bah nous, bah on va voir le positif. C'est qu'on n'aura plus que le championnat. On sera focus que là-dessus. Un peu déçu quand même de ne pas aller me frotter contre des... Contre des clubs de Ligue 1. Ouais. Ouais, un petit peu déçu. Bon, les gars. Là, c'est comme ça, c'est le football, mais... Sur Insta, j'ai vu tes crampons, ils sont trop beaux. Merci à toi. Là, les gars, il y a 3 semaines de boulot où il faut... Maintenant, il faut absolument qu'on prépare un petit peu la suite. Parce que moi, selon moi, cet hiver-là, je pense... que on a des risques de perdre Garcé. En fait, pour moi, on risque de perdre tous les joueurs qui nous sont prêtés. Putain, Nieto, il appartient à Andorre en plus. Tous les joueurs qui nous sont prêtés, sauf peut-être Carrera, tous les gars, ils sont susceptibles de partir pour moi. Ça fait mal hein, si tu les perds tous. Hein. Le gardien, c'est tout ou rien dans les matchs, c'est abusé. Qu'il fasse 2 mètres ou 1m20, soit il est bon, soit il est nul, c'est relou. Ouais, bah c'est comme ça. Du coup, les gars, en vérité, alors il y a peut-être des joueurs qu'on va rappeler, genre Mendoza, hein, c'est clairement un profil qu'on pourrait rappeler. Un Martin ou même un Guti. Hein. Un Guti, en plus, Guti, les gars, il fait une saison, 21 matchs à Saragosse, 7 buts de passe D, ça c'est un profil qu'on peut clairement rappeler. Hein. En soi, ça a 26 ans, ça ferait du bien. Maintenant, moi, pour moi, c'est surtout les joueurs d'animation de couloir. Parce qu'on est sur le point de perdre quand même les deux remplaçants. C'est-à-dire que Puigmal, on le perdrait. Et on perdrait Puigmal. Et puis Bermejo. Je ne sais pas comment on prononce Bermejo. Donc, ces deux joueurs qu'on perdrait, c'est les joueurs d'animation de couloir. Donc, moi, clairement... Ah, Freiburg a égalisé, c'est bien. Clairement, pour moi, là, c'est là où on doit renforcer l'équipe. Par contre, le problème, les gars, c'est que pour le moment, si on ne vend pas, on n'a que notre gardien, le deuxième gardien qui peut nous générer un peu d'argent. Donc, en gros, il faut chercher des prêts. Hein. Dans les prêts, si on va un petit peu scouter ce qu'il y a sur la liste de prêts, je ne crois pas qu'il y avait de la folie déjà avant. Peut-être qu'il y en a plus maintenant.
Alors. Ah, t'as vite fait le tour, hein. Putain. T'as vite fait le tour. Ouais. Durakovic. On va scouter, hein. Y'a que ça à faire, mais ça a pas l'air d'être la folie. Ça a pas l'air d'être la folie. Ok. On scout quasiment toutes les possibilités de prêt à des joueurs qui ont des profils qui pourraient nous correspondre. Ah, il n'y a pas des Lensois là ? Il est bon lui ou pas ? Sinon, après en soi. En soi, c'est chaud. Hein. En soi, c'est chaud. On pourrait aussi scouter pour l'attaquant, lui, par exemple. On va le scouter un petit coup. Parce que je vous explique, en fait, c'est que pour moi aussi, les attaquants, il y a des possibles départs qui nous les rappellent. Donc, en fait, on est vraiment sûr de rien. Hein. C'est la stricte réalité du football, c'est qu'on est sûr de strictement rien. Ok. Là, il y a encore un petit espagnol. Vous allez acheter FC25. Perso, je pense que je vais attendre de me l'offrir par quelqu'un de ma famille, même si je ne sais pas si j'y ai joué beaucoup, car la saison prochaine, je vais arbitrer 4 matchs de N1, 12 matchs de N2 et 15 matchs de N3. J'essaye d'apprendre l'arbitrage en N1. C'est propre. Bravo. Moi, je ne sais pas si je vais l'acheter. Je sais pas. Vous me conseillez de l'acheter ou pas ? Non, il n'y est pas, le troisième fils de Zidane. Ouais, mais les gars, agents libres, moi, ça me saoule de prendre les joueurs que tout le monde a pris, quoi. C'est juste ça, en fait. Tu vois, là, le gars, il a des stats, lui, je suis sûr qu'il est monstre bon. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, créer la carrière que tout le monde a déjà fait, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pour ça que je prends jamais d'agents libres. En tout cas, pas les premières saisons. Tu vois, là, je regarde. Rien qui me paraît ouf, quoi. Je veux bien prendre un joueur en agent libre. Mais un seul. Pas plus. Donc voilà. On va avancer un petit peu. Parce que pour moi, c'est important de voir qui part, déjà. Qui est rappelé par son club, qui va rester. Salut Lucas, salut aussi à Maï. Maï. Alors, oh là là, Nicolas Fernandez, 7 millions. 7 millions. Après, il a vraiment pété. Alors là, moi, je le garde. Hein. C'est hors de question qu'on vende. Hein. Ça, je pense que vous l'avez compris, mais voilà. Alors, rappelé par son club, Hugo Ricon, Castro, Nieto, Bermejo, Puigmal. En gros, j'avais juste, quoi. En gros, j'avais complètement juste, tu vois. Donc, si tu analyses les gardiens de but, on est tranquille. Vraiment très tranquille. Salut, Frédéric Vix. Vix, je sais pas comment on dit. La défense à gauche, on est tranquille. La défense centrale, on a Gonzalez, on a Donald. On a le petit David Lopez aussi. Et si jamais, on peut rappeler Alex Martin. Mais bon, étant donné qu'on n'a plus de Coupe d'Espagne, ça devrait aller. Carrera, pour le moment, n'est pas rappelé. Et on a de toute façon notre Fabio Souza. Donc, on est bien. Salut à ceux qui arrivent. Ensuite, au milieu de terrain, on a Mendes qui peut dépanner en défense centrale. On a Núñez à gauche. On a Morente à gauche. Donc, ça, c'est bon. On a Febas, Salvatore, Pads, Zidane dans l'axe. Donc, c'est assez. Salut SDM. On a Fernandez de l'autre côté. C'est une valeur sûre, c'est une valeur très sûre. Devant, on a Ebobissé, on a toujours Borja Garcé qui reste parce que l'Atlético ne l'a pas rappelé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'avec Kevin Carlos blessé, encore 2 mois, on n'a pas de deuxième attaquant. Donc la volonté d'aller chercher un troisième attaquant, c'est du prêt. Hein. C'est du prêt, clairement. Hein. Pour moi, je ne vais pas acheter. Et du coup, là, le gars qu'on a vu, ça pourrait être intéressant. Mais il faut recruter des joueurs de couloir. J'aimerais voir un peu ce qu'on a. On reçoit des offres. Voilà, Salinas, 2,5 millions. Moi, c'est
intransférables. Les seuls que je peux transférer, c'est des gars que je n'utilise pas, qui ne sont pas dans l'effectif de base. Mais c'est tout. C'est la première saison, oui. On est mercato hivernal pardon, de la première saison. Ok. Ça sert à rien de me donner des noms pour le moment, les gars. On n'a pas d'argent, c'est ça que vous avez pas compris. On n'a pas d'argent, on peut pas, ça sert à rien de donner des noms. Alors, attendez, qu'on regarde un tout petit peu, parce que là, il y a des blasts qui ont été sortis. Donc, c'est horrible, ça pourrait être intéressant. Et là, le petit Youssouf pourrait être intéressant. Mais moi, si je peux caler l'affaire avec l'attaquant, aller prendre ce gars libre... Ouais, mais les gars, enfin, vous me faites rire avec vos blazes, là. Déjà, il existe ton joueur avec un nom pareil. Lui, 23 ans, agent libre. Ouais, mais après, les gars, je veux bien te scouter, mais t'as vu les stats du gars. Genre, tu voudrais venir en deuxième division espagnole. Moi, je trouve un truc correct. Enfin, un truc correct. Faut pas faire un fantasy manager, tu vois ce que je veux te dire. Pour moi, c'est un peu... Voilà. Donc, le buteur, moi, je vais tenter de me faire prêter ce petit Kasama. C'est un joueur qui est sur la liste de prêt. Moi, ça me va très bien. Si c'est pour 6 mois, c'est top. Si on peut l'avoir pour 2 ans, c'est bien aussi. Je ne me vois pas la nécessité... Enfin, on peut prendre avec une option d'achat. En vrai, ça ne nous coûterait rien. Hein. Ah, ils veulent juste le prêter, mais c'est cohérent, parce que je pense que c'est un joueur qui a du potentiel, donc voilà. On va voir s'ils acceptent 2 ans. Ok, 2 ans, ça passe. Bien, et nous pouvons parler du pourcentage de ça. Alors là, c'est là où il faut que je sois... Là, les gars, prenez une grosse partie. Hein. Putain, ils abusent. Bah, il a pas un gros salaire, mais gars, sérieux. 70-30, ils abusent, non? Ok, en gros, c'est soit on prend tout son salaire, soit tu vas te faire foutre, quoi. Ok, on reviendra. Parce qu'en soi, le joueur qui coûte le plus cher de l'équipe, c'est qui? C'est Fernandez à 6 millions devant un Jérémy Ebobissé. Après, Jérémy Ebobissé, 22 matchs, 11 buts, 11 passes dé, quoi. On est sur la plaque tournante de l'équipe, quoi. Donc, on est sur un super joueur. Solanke en prêt. Ouais, mais le problème de Solanke, les gars. Solanke, ça va coûter super cher. Solanke, on va douiller, hein. Salinas, il y a quoi? Pourquoi je reçois plein d'offres pour Salinas, moi? Je vais vous prendre 2-3 noms que vous me lancez, là. qui joue du côté de Nantes, ok. Aligne les pesos. Mais les gars, aligner les pesos, j'ai pas de pesos. Solanke, les gars, moi, je veux bien regarder. Mais pour moi, c'est... Il est à Francfort. Qu'est-ce que tu veux aller le chercher? On me dit Moubanyan. Mais Moubanyan, les gars, ok, c'est pas la folie à l'OM. Mais le problème, les gars, c'est qu'il y a un salaire derrière. Hein. Vous oubliez juste 2 secondes, le salaire. Hein. Ils vont nous demander énormément. Hein. Oh là là, c'est quoi son prénom, les gars? Sérieux, il y en a 14. C'est quoi ce blaze? C'est lequel? S'il vous plaît, c'est lequel? C'est lequel parmi ces 6 gars? Le AC. Il est à Lens. Les gars. Après, faut pas croire, hein, les bons joueurs libres font pas longtemps libre. Hein. Moi, j'aimerais clôturer ce transfert là de l'attaquant. Je suis persuadé qu'on peut trouver un accord, mais pour le moment, ils veulent pas. Vraiment, ils sont même pas d'accord de discuter avec nous. On n'existe pas pour le moment. Bon. Ok. C'est la réalité. Ok.
Et là, j'ai pas. J'ai, en plus, j'ai rien sur le mercato. J'ai aucune offre, quoi. J'ai des joueurs à vendre. Il n'y a personne qui s'y intéresse. Franchement, c'est une dinguerie, quoi. Putain, on a deux joueurs transférables. Attendez, je vois un truc, là. Ouais, t'es sur la liste des transferts. Bah oui, moi, je veux que tu partes. Gaël Lafont est même dans le jeu MDR. Augustin Roberto, ok. Écoutez, les gars, là, je crois qu'on va... On a déjà avancé, de toute façon. On a deux, trois scoutings qui ont été faits, mais rien de fou. Pour le moment, les seules choses qu'on a, c'est du prêt, quoi. C'est la seule solution qu'on a de se renforcer, c'est via des prêts. Là, on a encore la possibilité de le raborder. Allez, on va tenter le coup. On sait de toute façon qu'ils veulent qu'on prenne une grosse partie du salaire. Mais après, moi, si je prends une grosse partie du salaire, ils veulent vraiment pas discuter d'un potentiel achat à la fin, quoi. 2 ans, ça passe toujours. Alors, prenez au moins 40%. Ok, on est pas mal. Je pense qu'ils ont pas de budget, et voilà. On prend 60% du salaire. Tenas, le gars, les gars, Tenas, les gars, on va pas aller le chercher, simplement parce que le type, on pourrait signer Sergio Rico libre à la saison prochaine, mais moi je fais confiance à Zidane. Zidane, franchement, c'est vraiment pas mal. On espère qu'il va venir, c'est pas encore sûr, les gars. Mais on espère qu'on va pouvoir crier bienvenue. Zizou, les gars, sur toutes mes recrues, hein. Donc, sur toutes les recrues que vous avez là, juste hein, qu'on se le dise, Zidane, c'est pour moi, celui, le gardien, c'est celui qui me donne le plus de satisfaction avec Ebobissé. Kevin Carlos, très bon, mais s'est blessé très vite. Et le reste, ça fait le taf. Ça fait le taf. Mais il faut juste se dire que voilà, on a pour moi, on n'a pas besoin d'un gardien. On a réellement été chercher un très très bon gardien. Au-delà du fait que ce soit le fils Zidane, etc., c'est un super gars. On a un super gardien avec énormément de qualité. Il n'y a rien à dire. Et même Théo a montré de très bonnes choses. Vraiment. C'est correct. On ne peut pas se plaindre pour le moment des fils Zidane. Bon, les gars, faut arrêter de blablater, parce que là, si on gagne, on reprend la première place. Si on gagne, on redevient premier de Liga, et ce serait énorme. Ce serait magnifique. Ce serait le kiff total. Il n'y a pas le troisième fils Zidane, les gars. Salut Olivier, à bientôt. Il est pas dans le jeu, le troisième fils Zidane, les gars. Sinon, bah, j'aurais pensé. Là, les projecteurs, ils sont braqués sur Tenerife. Les deux meilleures équipes de la Ligue s'affrontent. Tenerife, une défaite. Elche, 3 défaites. Mais bien moins de matchs nuls. Et McBurney est le meilleur buteur de cette équipe de Tenerife. On avait regardé les autres jours. C'est parti pour le choc. Rappelez-vous, chez nous, on gagnait 1-0. Ils avaient su égaliser à 15 minutes de la fin. Aujourd'hui, c'est à nous de faire le taf. Après, ce qui est bien, c'est que Garcés, si j'arrive à le garder avec nous, que l'Atletico ne le rappelle pas, je sais que je peux lui donner du temps de jeu parce que Kevin Carlos blessé, le temps qu'il revienne, ce sera pour les quelques derniers matchs de la saison. Hein. Zidane. C'est bizarre de dire Zidane. Ouais, c'est contré. Ouais, très très bonne défense. La balle qui est récupérée maintenant.
Garcé, c'est difficile. Faudra poser le jeu. Salut Kevin, ça va bien et toi? Bienvenue à ceux qui sont là, qui nous rejoignent, ça fait plaisir. On est ensemble. Vos pronostics dans le chat, les gars. Je veux voir vos pronos. Va-t-on prendre la tête du championnat ou va-t-on rester derrière? Oh purée, ça passe à côté. Salut Lucas. 2-1 pour nous. Ouais, vas-y mon petit. Ah, pique. Ah, non. Je pensais qu'il allait sortir plus. C'est dommage. Ah, vous êtes optimiste. Vous nous voyez gagner à l'extérieur. Il y a quoi? Du 2-1, 0, 3-1. Donc ouais, vous êtes assez optimiste. C'est bien. Merci à vous les gars. On va tout faire pour. Oh Nico. Allez frappe. Oh. Putain, on doit pas louper ce genre d'action. Soriano qui capte. Oh là là, attention, on n'est pas au marquage. Zidane. Oui. Oh là là. Bien joué Zizou. Oh. C'est pas possible. Le centre. Théo! T'es là, mon Théo! C'est ça, mon Théo! Come on! On tient, les gars, on tient! Allez! Oh, 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 ma défense, elle fait une dinguerie, là. Allez, Nico, ressort. Nico, par contre, je suis vraiment à l'aise avec lui. Hein. Techniquement, tu sens qu'il a un niveau au-dessus des autres. Hein. Ouais. Vas-y, Ebo. Vas-y, mon petit. Oui. Allez, c'est mérité. Oui. 12e but. 12e but pour ce garçon. Je sais plus qui est l'abonné qui me l'avait dit. Va le chercher, il est bon. Vous aviez raison. Il est très bon. Allez, le 1-0, ça passe. Avec un peu de chat. Là, la remise. La remise en une touche. De Nico, elle est énorme. Et après, ça passe. Il y a un gros nombre de joueurs et tout. Ça passe. Bien joué, les garçons. Mérité. Gros travail sur cette action. SDM qui nous dit 3-0. Pour le moment, on attaque ce match de la meilleure des manières. Après, eux, les gars, ils sont touchés. Hein. Ils viennent d'être touchés un peu dans leur orgueil. Ils ont pris une défaite 3-0 contre Cadiz. Hein. Oui, ma défense. Oui, ma défense. C'est juste. C'est bien, ma défense. Garcé qui va résister au retour du défenseur. Il y a une possibilité peut-être de se montrer dangereux. Une verticalisation du jeu peut-être. Il y a un très bon retour défensif. J'arrive pas avec Morientes à choisir, à trouver mon coéquipier derrière. Dommage. Et on se remet en place. Ça pivote. Et les gars, vous pouvez regarder un truc. Ismaël Garbi. Alors, je sais qu'il était prêté à... Il était prêté à... au stade de Zanouchi. Il va où la saison prochaine, Ismaël Garbi? Garcé, ça va passer. Garcé, ça passe. Le bon retour. Je pensais qu'il passait avec la vitesse. Dommage. La balle qui est récupérée, mi-temps. Ok, on est bien, les gars. On est bien. Faut être focus. Pour le moment, c'est un match qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vécu à l'aller contre eux. On fait notre taf, on mène. Attention, quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour. Zidane. Oh, c'est bien joué.
C'est bien joué. Le centre. Balle dans l'axe. Reprise de volée. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que franchement, on fait de bonnes choses. Il devrait rester à Paris. Ok. Quel dommage. Il est bien. Il est bien. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il a coupé l'hors-jeu, j'ai vu. Ah, dommage. Oh, il donne un coup franc. Ok. Morienté, c'est notre meilleur tireur de coup franc. Allez, mon gars. Fais-nous ce bonheur. Donne-nous ce bonheur, mon gars. Peut-être pas assez fort. Petit filet, ouais, ça tourne. Voilà, c'est dommage. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On insiste. On insiste et on va être récompensé. Faut vraiment tenir le McBurney devant là, parce que c'est vraiment lui le danger. Oh non, les gars, il fait une dinguerie là. Salinas ou c'est Nico Paz? Nico. Oh, bien joué. Oh oui. Bien joué, Zidane. La récupération de la balle de Zizou. Oh non. Non. Allez, Souza. Non. Je vous ai dit qu'il y avait un homme où il fallait faire attention. Ah, on est en train de vivre le même match. C'est le même match qu'à l'aller. C'est un truc de ouf. C'est la combattième. L'heure de jeu, la même chose. Je passe en offensif. Putain, les gars, faut que ça bouge un peu là. Allez, on fait tourner. Salut Diomo. Non, les gars, on doit arrêter de se précipiter. Il me faut quand même des appels dans les pieds. On va faire des changements parce que je sens que on va pas tenir le match sur cette cadence. Hein. Ça passe. Garcé. Ah, défensivement, ils sont solides. Défensivement, ils sont solides. Nico Paz au... Oh, la chatte. Eh, il joue avec mes nerfs. Il jouait pas en conservation, maintenant il conserve de ouf. Vas-y. Changement. Faut faire des changements. Alors, on va faire rentrer Mendes. Juste pour garder le milieu de terrain, un bon impact. Je fais rentrer là. C'est dur parce que Ok, je vais faire une dinguerie. Tu vas me dire, wesh, t'es un baiser. Mais c'est pas grave. Ok, là je fais 5 changements. 4 ou 5, je sais plus. Je m'en bats les couilles. 15 minutes. Je suis en ultra off. Radez ces bâtards. Febas, il pue la merde. Febas, la vérité, je suis à deux doigts de le vendre. Je le trouve nul. Je préfère encore aller chercher Guti et vendre Febas. Je crois que c'est un truc que je vais vraiment faire. Alors ça, j'y pensais avant, mais... Oh, ils ont mis le bus, quoi. Ils ont mis le bus de ouf, quoi. Putain, je suis à deux doigts de la gratter, là. Mais
Ah oui, tu sais que faire ça, sauter une ligne, putain, il me gaze. Et il gagne tous les duels, hein. C'est fini, hein. Depuis, l'impact psychologique du 2-1, du 1-1, il est énorme sur mon équipe. Conserve-la, c'est la dernière, hein. Oh, le bâtard! Ah, oh, il me la sort comme jamais, quoi. Oh, le gardien. Conservez, conservez. Laisse-la jouer, hein. Siffle pas, hein. Tu siffles pas, hein. Te fais pas la pute, hein. Siffle pas, je t'interdis de siffler. C'est une merde, pourquoi tu siffles? Ils sont en train de craquer, l'action, on est au milieu d'une action, mec. Le gardien, il n'était pas dans ses buts, ça revenait sur un de mes joueurs encore, hein. Et il avait de l'espace, hein. Ah, on n'en a pas fini avec Tenerife, on va lutter avec Tenerife jusqu'au bout. Incroyable. C'est dingue. Et on a revécu le même match. Domination, mais outrageuse de la part de Elche. Cadiz qui revient à 6 points. C'est une dinguerie. Qui siffle à la fin, là. Au milieu d'une action, c'est une dinguerie, quoi. Oh la vache. En plus, on ne fait pas prêter l'attaquant. Oh, c'est une dinguerie, ça. Pourquoi il veut pas? Putain. Sérieux, t'es en première division portugaise, tu joues pas. T'as la deuxième division espagnole qui t'appelle, tu viens pas. Est-ce qu'on va tenter le coup, les gars, de se faire prêter, genre, un bon petit jeune On a fait le coup avec Nico Paz, on va peut-être pas aller braquer encore le Real, mais... Je sais pas, un petit jeune... Ouais, t'as rien là. Atlético, t'as rien. Du Barça, y'a quelque chose ou pas? Angel Alcaron. Là, toi, là, t'as des jeunes. On peut tenter. D'un coup, ils acceptent, hein. Oh, en vrai, ils ont toutes les raisons du monde. Mais on va pas chercher un gars au Real, on a déjà été chercher Nico Paz. Elle est prêtée, Melvin. Après, le petit Iker Bravo, prêté au Real de Madrid. Bon, bah, c'est réglé. Noël, 20 ans. Jovic. Les gars, on n'a pas l'argent. Par contre, moi, Febas... Moi, je vous dis un truc, hein. Febas, si tu analyses un peu sa saison, là, 6 matchs, il est nul. Il a 1,5 million de valeur. Hop, si Febas, il part, moi, je rappelle Raoul Guti. Raoul Guti, ça ne coûterait rien. Et Raoul Guti, c'est 8 buts et 4 passes décisives avec le Real Saragosse. Donc, clairement, tu vas le rappeler, tu viens terminer ta saison chez nous, tu es en forme. Voilà. Alors, on a votre copain, là. 68 de gêne. Il peut jouer sur le couloir ou pas? Il a cette capacité de jouer couloir ou pas? Alors, vitesse et tout, il n'y a rien à dire. J'ai dit que j'acceptais de faire un transfert gratuit. Je crois qu'on va le prendre. Cela, je vais vous écouter. Là, je vais vous écouter. Parce qu'il est ailier gauche, moi je dois le faire jouer milieu gauche. Je vais vous faire confiance. Là on n'a pas le rapport, mais de toute façon il est parti. C'est libre de tout contrat, c'est voilà, c'est une opportunité, ça ne coûterait pas cher en salaire. Allez. On va lui mettre rotation s'il accepte, chose qu'il accepte.
À 23 ans, je vais être signé 4 ans. Ignorer les clauses. Welcome! Welcome, mon petit! On souhaite la bienvenue à ce garçon. C'est fait. On a pris le risque. C'est signé. Il retrouve un club après 6 mois. Et on espère simplement que ça va le faire. Il n'y a que ça à dire. Voilà. Opportunité financière, on avait, c'est là où on a le plus besoin de joueurs. C'était sur les côtés. Welcome, mec. Il n'y a que ça à dire. 23 ans. Ça peut passer mieux droite ou mieux gauche. Alors, si on analyse un peu le truc, il est quoi, lui? Il est content de jouer, vous allez me dire, ouais. Ça vaut quand même 2 millions. Hein. Quand même un joueur qui vaut 2 millions, hein. c'est pas rien. Où que tu es là. Droite, plutôt un droitier. À la place de Moriente, ce sera parfait. Bon, un bon coup. Du coup, on va le reconvertir en milieu droite. On va le reconvertir en milieu droite. Comme ça. Ça nous prendra que 2 semaines. Bon, première recrue. Hâte de le tester. Ça a l'air d'être un profil très rapide. Donc, hâte de le tester. Est-ce qu'on pourrait avoir genre un nouveau coach? Derrière. Prends un buteur. Alors ça, les gars, je sais que le buteur, c'est quelque chose qu'on doit travailler, mais on attend les rapports. On va devoir aller jouer Grenade, qui est 9e. Ça peut paraître bas au vu du standing du club. 9e avec 32 points, à 10 points de retard sur le Sporting Riron. Et nous, bien sûr, on gardera un œil attentif sur ce qui se passe du côté de Tenerife, qui va jouer contre le Sporting Riron, justement. Ce qui pourrait, en cas de défaite et non en cas de victoire, nous permettre d'être leader. Hein. D'être leader. Hein. Et franchement, à budget, les gars, ne me demandez pas, on a 500 000 balles, on n'a rien. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à vendre nos joueurs. Et je pense que... Alors, par contre, lui, là, Xobot, on va l'appeler Xobot. Si c'est pas comme ça, désolé, je disais que c'était comme ça. Xobot, on va le mettre titulaire. On va prendre au repos ce garçon. J'ai des gardiens de but sur le banc parce que les joueurs sont rappelés. Allez, on va comme ça. Nico Paz, on va mettre... à la place de Nico Paz, on va mettre le petit Mendes. Et on va comme ça. Il faut aller chercher, reprendre 3 points, repartir de l'avant. Si on veut toujours rêver de promotion, les gars. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, bien, on est tout dessus, là. Oh, c'est pas possible, il y a tout qui est juste sur cette action. Ah, les gars, Martial, réfléchissez 2 secondes. Martial, impossible de le financer. Soyez cohérents. Sotoka, impossible de financer, les gars, s'il vous plaît. Allez, on est reparti. Ouais, c'est bon ça, va dans l'axe. Dommage. Porte le numéro 9, notre nouvelle recrue là. Bien, on est bien. Bon allez, vous avez pas été bon avant, pronostic du match. Avant vous avez pas été bon, hein. Bon, j'ai pas été bon aussi non plus parce que j'ai pas su vous donner raison. Mais... Bien joué! Ah, derrière, ça perd le ballon. Ça
Oh, Fernandez. Ah, derrière, on perd. Dommage, 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 dommage. 2-1, 1-0. Mais mec, tu peux pas les attirer, gars. J'ai même pas 500 000, frérot. C'est impossible. Et au-delà de ça, c'est des gars, ils ont des salaires, mec. Laisse tomber. Mec, on donne des salaires. Là, on a recruté un gars, on lui a donné 4000 de salaire, hein. Conserve, conserve. Ils ont l'air bien en place. Ça a l'air solide défensivement en face. C'est mon ressenti, hein. Moi, ça me choquerait pas le 1-1, Kevin. Il me semble solide. Bien joué. Ok. Bien joué. Bien joué. Difficile, difficile. Salut Nadrax, ça va ou quoi? Allez mon gars, Zidane. Oh mais non, c'est l'action la plus nette qu'on doit mettre au fond, clairement. Oh, je m'en parle dessus. Allez les gars, purée, allez, il faut se remobiliser, je nous sens moins dedans là. Le centre. C'est gagné ce duel. C'est gagné. On va ressortir. Allez. Conserve, 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 conserve. On va aller chercher là-bas. Allez. Allez, mon petit Nico. Allez, mon petit Nico. La balle en retrait. Meilleur buteur. Fais ton taf. Oh, c'est pas possible. Depuis combien de temps on est en live? On est en live depuis. C'était quoi ça? C'est quoi ça? 1h34 qu'on est en live. Bienvenue à toi. Dommage. Là, la dernière action, dommage. Oui. Oui. Putain, ils bougent bien, eux. C'est pas possible! Putain, l'action elle est parfaite quoi! Allez! On push! Donne-moi ce ballon, voilà. Allez hop, on remonte Souza. Allez.
C'est nul, Souza, c'est nul. T'as pas plus de solutions non plus, hein, pour ça. Ah, ils sont absolument pas dangereux. Voilà. Ça, c'est bon, mon gamin. Quoi, tu lui siffles faute? Oh, allez. Sobot, il est pas mal, hein. Moi, je kiffe. Faut toucher. Hop. Une action. Non, j'ai pas encore. Je me suis pas plongé dessus, les gars. Ce matin, je bossais le. Je vous ai tourné la vidéo news et puis après, je bossais le. Le projet de Lens qui arrive semaine prochaine. Donc, j'ai pas eu le time. J'ai tourné la première saison. C'est une dinguerie, mec. Moi, faut m'expliquer. C'est une dinguerie, gars. C'est une dinguerie. Allez, Mendes. Allez! Come on, va chercher le ballon. Allez, remonte là. Putain, c'est pas possible. Je fais des changements. Alors, je fais pas rentrer Febas, c'est mort. Febas, il est trop nul. Je fais rentrer Salvador, je fais rentrer Carrera. On va faire rentrer le petit Lopez en défense centrale. Et là, tu vois, là, j'aurais envie de sortir. Là, j'aurais envie de sortir mon attaquant, là. Je vais faire autre chose. Je vais refaire le coup d'avant. Par contre. Et je vais le faire aussi comme ça. Ça, tu vois, juste ça, c'est trop chiant de faire tout le temps là. Tac, 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 tac. On est bien. Allez les gars. On va aller chercher cette victoire qu'on mérite largement. Salvador, faut courir, hein, par contre. Hein. Faut dailler au mieux. Hein. Bien joué. Oui. Allez, monte Zidane. Monte avec ce ballon, Zidane. T'es à l'aise, balle au pied. T'as le nom qui va avec. T'es à l'aise. Là, j'ai pas d'autre idée. Oh, c'était tellement pas fluide, mais ça aurait tellement pu rentrer. Allez. Allez, une fois un corner, s'il vous plaît, quoi. Je traverse tout. Oh, pourquoi il tombe tout seul? Il est tombé tout seul, le con. On est là. Vas-y. Fais le boulot. Voilà, dégage. T'as que ça à faire. Là, faut... On ne peut pas aller au ballon, là. Bien joué, Zidane. Oui. Les gars, faut se décider, arrêtez de vous chier dessus. Faut arrêter de se chier dessus au bout d'un moment. C'est tellement statique. Oh, ça pue la merde. Il m'a mis un grand pont. Je fais une faute. Il la siffle pas. Si je la récupère, ça peut faire super mal. En bas, il y a quelqu'un? Il y a personne. Il y a personne en bas. Oh purée, il la gagne. Bien joué, Salvador. Oh, s'il te plaît. Pourquoi? Mais pourquoi on est nul?
comment c'est possible d'être aussi nul? C'est pas possible! Comment c'est possible? C'est pas possible! Franchement, c'est une dinguerie! Comment c'est possible d'être aussi nul, quoi? La dernière action, t'es tout seul, mec! Putain, on dirait que je suis venu coacher en peignoir, mec! Manager, il a un peignoir, mec! Non, mais c'est pas possible, quoi, sérieux! On rate des dingueries dans cette carrière, c'est aberrant, quoi, c'est une dinguerie, gars. Moi, ça me dégoûte, quoi, je te jure. Ça dégoûte, ça saoule, c'est une dinguerie. Ils ont pas joué. Croisez les doigts pour qu'ils perdent contre le Sporting Riron. 1,5 million, c'est mort, c'est mon défenseur central titulaire. C'est abusé, la dernière défaite. Là, moi, je le vois comme une défaite. Hein. Un tir, ils ont un tir. Putain, on a des offres pour Fernandez, c'est une dinguerie. Hein. Fernandez... Bah oui, mais ton bon de sortie, tu l'as depuis très longtemps, hein, si jamais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a zéro offre. Zéro, niente, pas une. Super, il m'offre un joueur de 32 ans, formidable. On a des rapports qui sont tombés, on va aller voir les rapports. En plus, on est à quelques heures de la fin du mercato, hein, donc... La réalité, c'est que c'est vraiment, vraiment la mouise, là. Et pourtant, le mercato l'a réparé. On peut retenter le cas de prêt, là. On peut le retenter, mais... Il y en aura un qui serait capable... Aucun. Ah, tu m'étonnes. C'est des 4 dans leur équipe. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent? Il y a possiblement... Un de ces trois-là. Il nous faut un de ces trois-là. Sinon, il va falloir que je fasse une dinguerie avec très certainement l'obligation de peut-être repositionner certains. Le problème, c'est que les gars, me donner des noms maintenant, les rapports, on ne les aura pas. On va dans le flou. S'engager sur des cas où, à qui on n'a pas l'expertise complète, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, quoi. Ah, c'est ouf, quoi. Franchement, le mercato, il est dur. Hein. La réalité, c'est que le mercato, il est très dur, hein, avec nous. Hein. Vous me balancez des blazes, les gars, je connais App. Vera. Elio Vera, ouais, mais les gars, on a besoin d'un buteur, on n'a pas besoin d'un joueur de couloir. Ah, intéressant. On l'a déjà supervisé. On est en cours, encore 7 jours. Peut-être qu'on a le rapport avant que je lance les négociations avec le Barça. 1, 2, 3, 4, 5. On l'aura pas. On l'aura pas, le rapport. Moi, je vous propose, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que on va se lancer dans la suite la semaine prochaine. On va rentrer là, d'ici 2 lives, je pense qu'on a fini la saison 1, hein. Au rythme où on avance, d'ici 2 lives, on finit la saison 1. Ah, ils ont gagné. Hein. Ah oui, ils ont gagné. Ils sont remontés à 2 points d'avance sur nous. Donc, on a 4 points de retard et on a 4 points d'avance sur Levante et Almeria. Donc, franchement, c'est absolument pas perdu. Hein. C'est pas perdu pour le titre, mais c'est pas sûr de monter direct non plus. Ça va être une vraie guerre. Donc, voilà. Merci à vous sur le live. Merci à vous, merci à Verlan, à Tété, à Kiki, à Lucas d'être passé, Nadrax aussi. Franchement, merci à vous. Demain, pas de live, les gars. Prochain live, lundi après-midi. Ce week-end, on fait congé. Et les gars, merci Rames aussi d'être passé. À très très vite.